C'est toi, Arnaud Robotini. Oui. Arnaud Robotini est mon vrai nom. Effectivement, c'est assez cool de s'appeler Arnaud Robotini pour faire de la musique électronique. On me demande souvent si mon vrai nom, c'est mon vrai nom. Ensuite, j'ai pris des pseudos, pas sûrement par rapport à un problème d'utiliser le nom de mon père qui n'a pas été toujours assez évident à faire dans tous les cas de ma carrière musicale. Parle-nous de Black Strobe. À l'époque de Black Strobe n'est pas révolue déjà, parce que le groupe continue. On a répété d'ailleurs un entier. Il y a plusieurs périodes dans Black Strobe. Il y a eu la première période DJ Club, où il y a eu pas mal de remix, Dépêche Mode, Tichoir, c'est parti. Et puis après, il y a eu l'album en 2006 qui était beaucoup plus rock. On a pas mal tourné avec cet album. Et notamment la synchro du film de Guy Ritchie avec le Cry Moman, qui a pas mal aidé la notoriété de cette période. La disco, l'italo. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Non, parce que l'Italo Disco, c'est un style qui est bien fermé. Moi, ce que j'aime pas trop dans l'Italo, c'est l'Italo Disco. Pas dans l'Italo Disco, c'est l'Italo Disco. C'est le côté variété italienne qui peut m'énerver. Mais je ne fais pas l'Italo Disco. Bah, j'aime assez cette musique. Après, elle a aussi son lot de dégoût, qui est assez comme beaucoup de styles, mais là qui est vraiment assez terrible. Mais j'aime bien en tout cas toute la scène un peu néo-disco. Et as-tu pris les leçons de solfège? Non, jamais. Je suis allé au conservatoire petit et on expliquait à mes parents que je n'y arrêterais jamais dans la musique. Voilà, ils sont trompés finalement, je me revanche. On t'a vu ressortir tes machines de guerre, ton dernier album. Pour l'album d'avant aussi, c'est le concept un peu de mon projet solo, c'est vraiment d'utiliser des machines vintage et les utiliser comme elles ont été conçues à l'époque en les branchant et synchronisant entre elles, sans qu'il y ait l'intermédiaire de soit d'un séquenceur externe, soit d'un ordinateur, et pour retrouver une histoire de gestes musicales, on a touché, c'est une bonne machine, c'est bien. Allez, à vous. Le Père Noël a tout balancé, hein. Tu l'as commandé à un orque de Staline, non? Non, c'est pas la place, non. C'est pas comme avec Spoon qui a un char d'assaut, arrêtez. Si je te bosse de faire et de la main gauche, tu restes un moustache? Comment? Si je te bats au bras, bien sûr. Si je te bats au bras de fer, je reste mon moustache. La prochaine fois, je t'aurai, Robotini. Je t'aurai.